Ma France en photo. Alors, je vais te dire, il y a trois choses que j'adore. Entre fin avril et le 15 mai, la France devient jaune. On est au printemps, donc la nature est magnifique, c'est très vert. Tu as du jaune partout, les fleurs de colza, et tu as le ciel bleu. Et je dois avoir à peu près une quarantaine de photos de vert, jaune, bleu. Deuxième plan que j'adore, toujours dans le même esprit, c'est d'aller sur un pont de la Seine, principalement le pont des Arts, avec l'enfilade de l'île de la Cité, et attendre que le soleil se couche. Et là, tu as une lumière qui vient raser la pierre blanche de l'architecture et des immeubles parisiens. Ça donne une couleur extraordinaire. J'adore ces photos-là. Et enfin, troisième photo que je suis capable de prendre, j'adore voir le soleil couchant. J'ai un nombre de photos de soleil couchant impressionnant. Ma photo pour la France le 14 juillet, ça sera forcément forcément un paysage. Brantôme, par exemple, en Dordogne, qui m'a beaucoup touché. C'est ce qu'on appelle la Venise du Périgord. On va faire une photo du Crotoy au soleil couchant, c'est-à-dire la baie de Somme, que j'ai découvert grâce à Midi en France. 14 juillet, pour moi, c'est un peu l'artifice de un feu d'artifice républicain, quoi, qui est plutôt de bon augure et sympathique. Et là, on va avoir un feu d'artifice d'image grâce à vous. Et je trouve ça très agréable. Ça va être un feu d'artifice de couleurs et d'images. Et c'est pas désagréable. On va remplir le ciel et les pages de match. Essayez de la faire vivre, cette France. La France, c'est un confetti. Il fait 1000 km sur 1000 à l'échelle mondiale, internationale. On est tout petit. C'est le pays le plus visité au monde. 82 millions de visiteurs. Un patrimoine architectural extraordinaire. Un patrimoine historique génial. La vallée des Rois, c'est entre Orléans et Saint-Nazaire. 1620 châteaux. Trois mers baignent nos côtes. Un littoral de plus de 3000 km avec les anfractuosités, des massifs vieux, des massifs récents. Et puis ce patrimoine gastronomique, viticole et de salaison unique. Voilà, c'est ce qui fait que ce pays est un pluriel qui est singulier. Alors allez-y, soyez singulier, faites-la la photo de la France. Ma France en photo, c'est toi et moi.